Achí. Je m'appelle Grégoire, Jean-François Grégoire. Je suis médecin et peintre. Il y a très très longtemps que je peins. Très longtemps, je me dirais que je peins depuis que je suis enfant. Je peignais les bisons et des licornes de façon préhistorique avec de la terre pour et puis alors la pluie arrivait et me laissait la descente du garage absolument nickel. Ça, c'est ce que je faisais. Aussi. Donc, j'étais médecin aussi. Il y a 12 ans, le 30 juillet, 13 heures, j'ai validé mon examen de handicap, mon examen en handicap, section AVC. Donc, ça m'a rendu hémiplégique 3 et aphasique. J'ai bien récupéré. J'ai bien récupéré. Vous voyez. Là, ici, tout ça. C'est moi ça. Ça ne fait pas. Mais le nez est assez gros. Il permet de voir l'état de mon cerveau. Ici, c'est le dessin que j'ai fait 48 heures après mon AVC.
Je l'ai fait parce que je voulais savoir si il y avait encore un espoir. La perspective, moi, ma femme, des gens un petit peu gna, c'est un, c'est. Mais voilà. Et je suis dormi. J'ai dormi. Parce que c'était vraiment fort. C'était voilà. Pour l'heure, je suis mort. Il faudrait pas que je dise ça. Là, n'est pas la question. Là n'est pas. Je ne saurais dire si je vivrais ou non. Il se trouve que je suis encore vivant, mais c'est si peu. Cela fait, comment dire, tout drôle d'être là, au milieu de la salle de bain. Il se trouve que je suis encore vivant, mais, comment dire, en dehors des choses. J'ai une foule de pensées qui se pressent, qui vont et viennent comme ça. Et je n'arrive pas à fixer mes impressions. Je sens que je vais crever. Se trouve que je suis encore vivant, que la mort est quelque chose de désirable. La vie n'est plus rien. Et pourtant je pense, je réfléchis, j'envisage, mais la mort est là. J'envisage et le terme, puisque je fuis de visage en visage. Alors je réfléchis. Mais à quoi? À quoi puis-je penser? Comment dire? Puis-je penser? J'attends. J'attends. J'attends la mort. En fait, je suis là et c'est tout. J'ai glissé. Voilà tout, j'ai glissé et ça ne me fait pas plus d'insensation que ça. En l'espèce, j'ai eu une chute plutôt pas trop brutale. En fait, je suis tombé hors de la douche. Je m'étais posé tout simplement, où j'étais posé, où j'étais tombé, je ne saurais dire. Mais j'étais nu et je ne voulais pas qu'on me voie comme ça, mais alors absolument pas. Il y avait une chose parmi d'autres qui était là. Et c'était tout. J'étais nu. Il y avait une solution. J'étais nu. Et j'avais un slip. Enfin, il y avait un slip. C'était un slip noir. Je le reconnais maintenant. Et c'est gravé de façon indélébile. D'autant plus que je m'étais retourné chercher quelques instants avant. J'étais comme obnubilé par mon slip qui était devant moi. Il n'y avait rien de plus important que ce slip pour moi. Il était devenu comme le centre du monde. Il faut dire, pour ma conscience toujours là, qu'il était nettoyé et repassé comme un slip tout neuf, ou pour le moins propre. Je pourrais dire combien de temps j'ai pu me torturer à savoir ce qui m'était arrivé de nouveau et intéressant avec cet accessoire qu'on appelle. Je ne saurais dire combien de temps j'ai pu perdre comme ça à essayer de l'enfiler. D'ailleurs, je m'évertuais à enfiler le passage de droite. Celui de gauche était passé comme une lettre à la poste. Restait celui de droite. Oui, ça restait encore le principal centre d'intérêt. D'autre part, j'aimerais savoir pourquoi il se trouve que je suis encore vivant. Encore vivant. Et puis tout à coup, ce fut comme un éclair.
Cet état où je me trouvais était nommé par les gens comme moi d'un nom pas si simple que ça. J'étais hémiplégique. Je suis médecin. Je suis médecin issu de 15 ans de SMUR, c'est dire si j'ai vu ce dont je suis atteint. Il se trouve que ces matins, j'ai travaillé. Ce midi, je suis rentré, j'ai mangé et parlé tout simplement avec ma femme. On avait fait le projet d'aller se faire un petit cinoche. Je me sentais grognon, c'est tout. Il faudrait que je pense à téléphoner au répondeur dans l'après-midi pour avoir les horaires. Et voilà, le travail, je me suis couché. J'avais gardé de mon page de mon pauvre. J'avais gardé de mon passé d'urgentiste l'habitude de faire une sieste, un quart d'heure, c'est tout. C'est pas grand-chose. Je me suis réveillé tout glauque et tout clampin. Question. Fallait que je me prenne une douche. Ah oui, c'était une bonne douche qu'il me fallait. Alors je suis descendu. Une bonne douche avec cette vraie. Puis je suis remonté sans douche. Mais pour reprendre un pantalon ou je ne sais quoi. Allez, ce n'est qu'un petit malaise. Ça va passer. Petite douchette. Il faisait chaud. Ça laisse passer. Pourquoi suis-je remonté? Je l'ignore encore. Une légère, une très courte douche. Toute petite, il n'y paraîtra plus. J'ai oublié de vous dire que les chambres sont en haut, la mienne est celle du fou. Une douche. On passe devant celle des enfants pour y aller. Une douche. Celle des enfants, ils sont deux, mais ils ne sont pas là. Une fille, un garçon, déjà en âge de comprendre, enfin, on ose espérer. Une douche, et ce sera tout. On leur fait prendre des vacances. C'est bien les vacances. C'est beau des vacances. C'était prévu de longue haleine d'ailleurs. Une douche. Une douche, et ce sera. Des vacances chez grand-mère. Et puis c'est tout. Une petite douche, et ce sera tout. À la descente, une première alerte se fit sentir. J'ai trébuché dans l'escalier. Et j'ai pris une douche. Oh, elle était bonne, cette douche, j'en ai souvenir. C'est la meilleure douche que j'ai prise de toute ma vie. C'est quand je suis sorti de cette douche. Une chose à la fois. Pas l'ombre d'un doute, je suis tombé. Il va falloir me relever et appeler. Pas les mains en méditation, je suis tombé. Oui, mais je n'ai pas la force de me relever. Et puis me relever pour quoi faire? Appeler? Mais appeler qui? Et comment? Me revient à la mémoire un fait incongru mais pesant. J'étais régulateur. J'étais régulateur. Il vaudrait mieux dire que médecin régulateur. Ce genre de médecin dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. En tout cas, il vaudrait ne pas savoir certaines choses vont être parfois dans la merde. J'étais en train de gérer un accident vasculaire cérébral. Vous savez, ce genre de patient juste un peu trop gros, mais en tout cas difficilement portable pour une seule personne. Oh, il s'agissait pas d'une urgence. Il y avait longtemps que ce monsieur était hémiplégique. Eh bien, croyez-moi, il a fallu que j'en passe des coups de fil et que je me tortille les méninges pour arriver à quelque chose. J'étais arrivé à gérer, quel mot horrible, la situation. Et maintenant, c'était moi qui étais dans ce cas-là. À moi de tortiller mes méninges, pourquoi faire déjà? Oui, c'est moi qui me trouve là. Drôle, non? Imaginez un peu, je vais crever et au bout du fil, il y aura quelqu'un qui n'aura rien à foutre. C'était pas vrai. J'en étais pas là, j'étais en phase aiguë. Mais quand même, imaginez un peu la chose. Je vais crever. Je vais crever, il n'y a personne pour venir.
Je vais crever, c'est comme ça. Je vais crever, c'est ainsi. Je pense à des choses diverses. Un hémiplégique, un livre, un chapitre, un mot. Un instant de ma vie qui se déroule devant moi. Un instant de ma vie qui se déroule de façon tout à fait énervante. Oui, crispante. De manière aussi sotte que grenue. De manière allongée. Non, étirée. Répandue. Distendue. Mais aussi, par une étrangeté sans nom, dans une manière de quasi apaisement, parfaitement calme, parfaitement guéri de choses que j'aurais faites avant, que j'avais fait, que j'étais en train de faire ou d'endurer. Oh, il y a tant de choses que l'on peut faire qui ne se font pas, ou que l'on doit faire. Et il y a tant de choses et tant de choses que l'on peut que l'on ne doit pas subir. Je vais crever, il n'y a personne. Personne dans une des pièces du rez-de-chaussée, ni de l'étage d'ailleurs. Les enfants sont partis chez leur grand-mère, chez ma mère. Il y a un cas lapin dans une cage à trembler sûrement à chaque fois qu'il entend le son de ma voix. Il n'y a qu'un lapin pour sa pétérine. Il n'y a qu'un lapin dans la maison. C'est tout. Je vais crever et il n'y a personne. Le téléphone. Un téléphone. Et pour ça, il faut ramper. Ramper. Ramper car il y a une chose qui m'intrigue. A posteriori, j'ai remarqué que je ne me suis pas retourné. J'aurais pu me mettre de l'autre côté pour profiter ainsi d'un bon espace de glissement. Qu'un homme ou qu'une femme ne se mette pas à choisir la bonne position pour se traîner. Ça m'a toujours paru grotesque. Quoique la situation me paraisse maintenant cohérente. Cohérente. Pourquoi ? Bien parce que j'y ai pas pensé. Elle n'est pas vraiment relationnelle à cet instant. Mais, alors pas du tout, du tout. Mais c'est très bien comme ça. Fin de la partie, ramper. Ramper jusqu'au téléphone, pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour mourir ? Et aller aussi vite que ça au fond de quoi déjà? Eh bien au fond, la pause. Pause parce que j'avais pas réfléchi à disposition des lieux. Une ligne téléphonique c'est pratique, mais quand c'est joignable seulement. Et là, peau de balle, elle n'était pas joignable. Ou alors c'est trop dur. Oh oui, trop dur. Déjà qu'il est dur de se battre avec une hémiplégie. Déjà avec deux bras, ça doit être difficile, mais avec un seul. Oh, que c'est dur! Et non seulement en moins un bras et une jambe, mais avec la force de 4 ou 5 ou même parfois même de 10 jambes qui ne vous laissent pas faire, qui ne vous laissent pas agir, qui ne vous laissent pas mener à votre guise votre jambe. Que c'est dur! Que c'est dur de n'être pas valide. Et puis c'est dur le sol sans rien pour se protéger. Les carrelages, c'est ferme et rigide ça. Et puis c'est pas fait pour un corps tout nu. Ça glisse. Mais ça use tout doucement. Je faisais quoi? J'essayais d'appeler. Et d'appeler qui au juste? Hein? Pour faire quoi au juste? Alors je crie. Ah, que je crie. Je crie, je pleure ou je crie, je ne sais pas, je crie. Je crie parce que je vais crever. Je crie. Je crie parce que je pour vous. Je crie car je ne peux pas faire beaucoup d'autres choses. C'est ça, crier. Je crie parce qu'il n'y a que ça à faire. Je crie parce que je tourne dans ma tête et je tourne encore et toujours, je tourne et je tourne toujours, je tourne encore. Parce que je suis quasiment nu avec cette malheureuse extrémité inférieure, vous savez, le pied. Eh bien, il est tout mort. De quel côté déjà était ce malheureux pied? Ah oui, pied droit. Oh, qu'il est pesant. Et que peut être pesant tout un côté. Et pourtant, je suis content.
Ah, quand je suis content, et vous savez pourquoi je suis content? Eh bien, c'est parce que c'est mon côté droit qui est éteint, qu'on appelle habituellement le côté dominant. Et je suis gaucher. Alors c'est mon cerveau droit, le cerveau qui domine l'autre. Oui, le côté dominant est à l'inverse des troubles. La nature ayant eu la bonne idée, ah, la bonne idée, de croiser les chemins des influx nerveux. Le côté dominant est le côté du siège de la parole, du langage, de l'élocution, le côté sans aphasie. Le côté sans trouble de cette fonction supérieure qu'on appelle du nom de parole. Parole. Je suis gaucher. Parole. Je me sais gaucher. Je suis heureux. Je parle. Parole. Et puis je pourrais toujours m'exprimer. Parole, mais aussi dessin. Je suis peintre à mes heures. Dessin. J'ai un tableau en route. Dessin. Je ne pourrai jamais finir. Je suis en train de mourir. Et c'est bon. C'est très bon de mourir comme ça. Dessin. Parole. Dessin. Parole. Reste cette putain de jambe droite qui m'oblige à demeurer. Putain de jambe. Putain de jambe qui ne veut pas se décider à bouger. Putain de jambe et putain de vendredi. Putain de jambe et putain de bras droit qui ne t'en veut qui. Putain de jambes et putain de bras droits qui ne veulent pas répondre malgré les efforts que tu fais. Et puis qui tais-toi. T'as un pied de meuble, toi, à ce poste de téléphone, comme il est désirable. Et ça, c'est un pied de commode. Et c'est le pied de commode qui est ici, là. C'est incongru. Il me laisse où il m'a trouvé, en bas. Et puis c'est tout. Il a l'air d'un pied de commode et de rien d'autre. Ah là 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 là. Ça fait combien de fois que j'essaie d'enfiler mon slip ou que j'essaie de téléphoner? Combien de fois, dites donc? Combien de fois j'ai proféré des mots, des gros mots, des très gros mots, mais alors très gros, très gros, très gros? Combien de fois j'ai hurlé de désespoir et de colère, de hargne et de souffrance sans que ça fasse bouger quoi que ce soit? Téléphoner. Il faut à tout prix que je téléphone ou alors il y a ce slip. C'est ça. C'est après mon slip que je crie. Et avec violence que je crie. Et là, c'est après mon slip que je crie. C'est pour vain. C'est pourtant vrai. Il y a des moments où on s'égosille pour pas grand-chose. On beugle pour une sottise, on crie pour un rien. Et bien ce moment fait partie. Oh là là. Que je suis bête. Je suis comme un con à ne pas savoir quoi faire. Faire. Oh là là. Ça peut être bête. Me voilà paralysé. Putain, putain de mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas une petite mort. C'est même pas grand chose. C'est rien qu'un simple moment. Et oui, c'est si simple de mourir. C'est comment dire? Clair. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Mourir, c'est tout. Mourir, mais qu'est-ce que c'est ça? Se laisser aller pousser par une force extérieure ou intérieure? Et alors, ce n'est que ça? Et ça, qu'est-ce que sinon une négation, un vilain compliment, un salut, un adieu, une négation du plaisir de vivre, de tout ce qui rattache à l'humain. J'ai pas été secouru tout de suite, j'étais aphasique, parce qu'en fait, il y a des aphasies de gaucher. Et
C'est con, mais c'est comme ça. J'étais paralysé à droite. Ça, vous l'avez compris, mais aphasique. Aphasique, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne parle pas. Qu'il ne parle pas. Mais pas son... Ça, c'est un autoportrait. C'est un autoportrait, si vous voulez, ça c'est le crâne, d'accord, ça c'est les dents, ça c'est le crâne, ça c'est le côté valide, d'accord. Il y a le bras. Il y a les côtes, il y a le sacrum, il y a le fémur, les os du pied, voilà. Et puis là, là, il y a le bras. Et là, il y a la jambe. Là. Il y a l'aphasie. Il y a l'aphasie parce que ça, c'était... Un seul mot. Il y a... Il y a des gens que je connais qui ont juste une partie du cerveau, plic, qui a été squeezée. Et ils ne peuvent plus rien dire. Uniquement rien dire. Ce que je faisais avant. Mais les mots écrits sur les murs, ce sont des graffitis. Oh. Et oui. Et oui. Et donc. Mais là. Aphasique. Vous laissez tomber et ça vous fait mais il n'y a pas il y a aphasique. Juste une bonne petite réparation. Et tout s'en va. Et tout s'en va. Enfin, tout s'en va, c'est beaucoup de dire. C'est un petit peu comme si rien n'était arrivé. Si rien ne m'était arrivé depuis 2 mois, puis des broquillettes. Rien de rien, si ce n'est ce putain de déficit. Cette saloperie de putain de déficit. Je me couche avec. Je ne peux
peux empêcher cette saloperie de se coucher. Je me réveille avec. Je ne peux empêcher cette saloperie de se réveiller. Je vis avec. Je ne peux empêcher cette saloperie de vivre. Je me couche avec, je me réveille avec, je vis avec, je couche, je me réveille, je vis avec cette saloperie. Je vis avec, je suis infirme à vie. Qu'est-ce que ça signifie aussi, infirme à vie? Qui peut me le dire? Qui peut me dire si je récupérerai ces jambes et ce bras? Oh, ce putain de bras! Il est tout mort, ce bras. Oh, ce putain de bras! Comment ça marchait, cette jambe? Et ce bras? Il est tout mort, ce bras. Ou ce putain de bras. Et comment ça marchait, cette jambe et ce bras, ce putain de bras de merde, il est tout mort. Il y a maintenant cette ravasse de jambes qui commence à se faire à mon corps, qui me permettrait presque de prendre l'escalier. Ah merde, à prendre l'escalier. Il y a longtemps, une semaine, trois semaines, je ne sais plus, que je le prends en montant. Il y a beaucoup moins longtemps que je le descends. Alors, il y a maintenant cette putain de jambe qui commence à marcher. Mais ce putain de bras à la con commence à me faire courir. Il m'en fait voir. Pourtant, je ne déchiris pas plus que ça, ce putain de bras. Parce qu'il faut que je vous dise, hein, que je ne le force pas trop à sortir de sa torpeur. Une fois dans la douche, deux fois dans la matinée, après vient l'après-midi, puis là ce sont deux ou trois fois, quatre ou cinq fois. Et puis quelques fois couché, des fois dans le lit. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout comme ça. Au réveil, c'est le roi. Dans le cérémonial de l'habillage, hein, c'est le roi. Dans celui du petit déjeuner, comme dans celui du déjeuner, comme dans celui du goûter, et du demi-dîner aussi d'ailleurs, c'est le roi. À l'orthophonie, comme pendant le psychothérapeute, c'est le roi. À la kinésithérapeute, c'est le roi. À la visite du médecin, c'est le roi. À la toilette, c'est le roi. Aux toilettes, aux pipi, aux caca, c'est le roi. Absolu. Tyrannique. Le roi, c'est toi, mon membre supérieur. D'ailleurs, il va falloir que je numérote mes abattis, parce que lorsque tu sortiras de la gangue ou du tennis, votre honneur, mon roi, le roi des rois, putain, est-ce que je lui parle bien, cette enflure de bras. De bras droit. C'est que c'est quelque chose, ce bras. Jusqu'au moment où je m'endors, là, je l'ai posé sur son coussin, poliment, avec respect et dignité dès le coucher. Et là, je tends mes doigts. J'ai fait ça dès le début, dès le service de réanimation. J'avais l'image de ces victimes d'AVC, le bras en flexion, les doigts crispés aussi en flexion. L'image surtout qui me hantait d'un patient, d'un homme qui ne se vivait plus comme un homme, ni comme un être humain, même pas comme un être animal, un animal sa vie au moins, un cheval sa vie, comme un chat ou une truite, et pas ce pauvre être humain, ce pauvre infirme de pauvre infirme, ce pauvre infirme à vie. Mais là, ici, ma vie passe par mon bras droit, mon bras. Le droit. Alors je lui parle parfois jusqu'à des mots sales et gluants, des mots nauséabonds, prononcés à voix basse pour faire mal. Et même ça,
même si ce putain de bras n'est pas le sien en cause. C'est vrai, il y a le langage parmi d'autres. La marche parmi d'autres. L'équilibre parmi d'autres, parmi tant d'autres à tenter de récupérer. Alors, je lui parle tout bas et je me plains tout bas. Je l'injurie tout bas et je pleure tout bas pour ne pas déranger le voisin. D'ailleurs, j'ai toujours, depuis au lever, quand je tiens quelqu'un ou quelque chose, quand je prends un coup de froid ou un coup de chaud, les extrémités des doigts qui se rapprochent de la paume de la main. Ma main, si précieuse. Si vous voulez, l'aphasie, c'est un être, c'est un moment, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est comme vous. L'aphasie, Baudelaire avait sous réserve, mais elle avait un mot. Merde. Sous réserve. Merde. 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 Pour quelqu'un qui, bon, Baudelaire, c'est Baudelaire quand même. Les fleurs du mal, ce sont les fleurs du mal. Merde. 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 Il disait ça. Merde. C'est l'AVC, c'était une attaque, c'était une apoplexie. On avait une attaque, ou on avait une apoplexie. En fait, on avait un AVC. L'AVC, c'est quelque chose. On est AVCien. C'est mignon, AVCien. Mais aphasique, on se replie alors qu'il faudrait ouvrir, c'est une chose qui, j'y suis encore un petit peu de temps en temps, bon, mais j'ai pas de problème à me faire comprendre. Faire comprendre des choses, bon, mais l'AVC, en fait, dans la littérature. Dans la littérature, on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, en fait, il a le Noirtier de Villefort, le père du juge, qui amène le Dantès au château d'If. C'est lorsque Napoléon finit les 100 jours, il fait un AVC. Il fait un AVC et il est atteint d'un locked-in syndrome. C'est décrit, mais alors, à la perfection. C'est Jean-Dominique Bobby, d'ailleurs, le dit. Il a été aussi atteint d'un locked-in syndrome, le scaphandre et le papillon,
si vous avez l'occasion, lisez-le et voyez-le. Voyez-le. Et lisez-le. Ah oui, non, non. Il y a d'autres choses. Maintenant, je suis chez moi, en permission. Je suis en permission de week-end, de nuit que j'ai passé à la maison. Putain, comme c'est intimidant, de nuit à la maison. Après presque 3 mois, ça fait long, 3 mois. Et on regarde d'autres, c'est dans le fond pas grand chose. Ça pourrait être jamais, ou toujours, ou jamais. C'est pour être dans un lit médicalisé, avec aspiration, gavage et tout le tout. C'est pour être sondé à demeure, avec 3 infections annuelles, polyrésistantes bien sûr. Ça pourrait être tout ça, avec une famille dépassée, ou bien une famille inexistante. Ça pourrait être une famille vermine, comme j'en avais vu certaines avides de reconnaissance, alors que les escarres masquées amènent à peine l'aphasie. À moins que vous voyiez les proches, à vous, dévoués, ou alors pas famille du tout, avec uniquement certaines personnes juste compatissantes qui font leur tour la nuit, parce que la nuit, votre couche ne sent pas trop. Alors que la journée, les personnels sont tellement surchargés qu'ils se déchargent de leur travail en parlant et en parlant. Je savourais ce retour chez moi avec angoisse. Une angoisse aveugle. Là, le retour était acquis. Il s'agissait juste de m'accoutumer à la chose. Il s'agissait en fait de me sevrer de l'institution Rothschild. Il s'agissait d'un premier pas vers la lumière. Inutile de narrer par le menu mon arrivée, inutile de raconter le repas, n'est-ce pas? Inutile de dire la soirée que vous avez passée, inutile de raconter la première douche. Ah, ça non, ça n'est pas inutile, parce que je m'étais muni d'un accessoire qui allait me tenir 2 ou 3 mois. La planche pour prendre la douche. C'était une jolie planche toute belle, et rien de plus que prévu. Mais je devais vite la prendre en grippe, plus vite que prévu. En fait, c'est pour s'asseoir qu'un ingénieux... Pouf, pouf. En fait, c'est pour s'asseoir qu'un ingénieux, un ergothérapeute, ingénieur a conçu un dispositif génial pour poser ses fesses en prenant sa douche. On peut même s'essuyer sans se fatiguer, c'est-à-dire s'essuyer. Oh, que je le hais, cet ustensile dont je ne sais toujours pas prononcer. Je le déteste en fait plus que le fauteuil roulant, dont je me suis débarrassé définitivement à mon arrivée définitive. L'ordonnance est d'ailleurs toujours dans le dossier prévu pour toutes les choses et les trucs concernant l'AVC. Je le déteste bien plus que le canapé convertible où j'ai dormi pendant en fait pas si longtemps que ça. Je le hais tant que je n'ai pas pu m'en séparer, qu'il est au grenier et que je passe devant quand j'y mets des choses et des machins. Il est emballé dans un sac poubelle, puis le coucher arrive. Le coucher avec tout ce que ça peut montrer de frontalité. Le coucher dans le canapé convertible, c'est fait tout seul. Il n'y a pas eu de problème pour le coucher. J'ai mis ma main, tout doucement, sur l'oreiller, correctement, pitou-pitou. Je dorme. Et je bande. J'ai déjà bandé depuis l'accident. Déjà, j'avais bandé avant mon AVC, bien sûr. Mais j'avais déjà bandé après. Une fois, j'avais embrassé ma femme. Par surprise. Et en tout cas, ça avait l'air de marcher tout à fait correctement. La bandaison, ça ne se commente pas, n'est-ce pas?
J'avais bandé, nulle personne ne l'avait remarqué. J'étais humain. Mais là, aussi intime que ce soit, se pose la question d'une nouvelle première fois. Une première fois, comme toutes les autres, avec tout un cérémonial pour faire passer la première fois. C'est vraiment une première fois avec ce que ça comporte d'hésitation et d'hésitation. Je suis tout petit et en même temps comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas fait ce peu d'ABC. Je me sens le même. Mais il y en a autrement. 3 mois ont passé, et je bande comme un forcené. Et là, c'est décidé si je suis un homme. Je bande. Et je salive beaucoup. Je salive trop. Je salive beaucoup trop, peut-être. La main, vous savez, la main droite, la main morte, elle est tenue par la main d'Evelyne. La main gauche. Jouit. Et le lendemain, rebelote. Seulement là, le canapé est convertible, hein, n'est-ce pas? Nous jouons à tout à sa façon. Il s'est penché tout à coup, plouf, et je me suis retrouvé par terre avec Evelyne. Oh! Premier temps, la rigolade. Dans un deuxième temps, la remontée. Elle ne s'est pas faite toute seule. Il a fallu une demi-heure au bas moins. Et puis un bon demi-litre de sueur. Le lendemain, je pose la question à la kiné. Comment faire si le cas se reproduit d'une façon à une autre? Et voilà pourquoi j'ai catalogué frontal. Il ne sert à rien d'être naturel. Frontal. Frontal, c'est une frontalité, enfin, c'est un ensemble de machins qui va de, ça va de la main qui se contracte. Je sais pas moi. Par exemple, j'ai le souvenir de quelqu'un qui pissait dans le couloir d'un hôpital de neurochirurgie. Et puis voilà. C'est frontal. Ah, j'ai oublié quelque chose. Aaron et Moïse. Moïse et Aaron. Moïse, quand Moïse veut faire les 7 plaies d'Égypte, c'est pas Moïse qui l'a fait, c'est Aaron. Parce que Moïse ne parle pas. Moïse ne parle pas. C'est Aaron qui parle. C'est Aaron. C'est-à-dire que il faudrait faire d'Aaron le patron, le saint patron des orthophonistes. Parce que, ouais, et ben, non. Non, oh, ouais. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, avec les... Ah oui. Bon. On a reconnu Aaron.
Non, Moïse. Moïse. Mais bon, c'est... Alors, je vais dire un conte. L'aphasie. Ah, putain, c'était quelque chose. L'aphasie. Ne pas pouvoir parler. Putain, c'est un... Il n'y a rien de pire. Si jamais il m'arrive quelque chose, ou je peux dire, oui, voilà, j'ai mal là, j'ai un cancer de machin, je peux dire, je peux le hurler, mais vous, l'aphasique, il ne peut jamais faire. L'étude. Il est une fois un vieil homme, sans autre talent que le dessin. Il est une fois un pays lointain, très lointain, vers l'Orient peut-être. Il est une fois un homme tout ridé, tout fané, sauf une chose. Il était une fois, dans ce pays, un vieil homme. Ce vieil homme était peintre. C'était la seule chose non fanée. Ce vieillard était peintre et on lui venait de fort loin pour lui acheter des scènes poétiques représentant qui un oiseau, qui un poisson, qui un singe, qui une scène de la vie quotidienne. Et sa renommée était grande. Elle dépassait même les frontières. Mais il vivait chichement du produit de sa charité. L'empereur vint à entendre parler de ce curieux homme. Il lui envoya un messager. Celui-ci essuya un refus. Poli. Certes, mais refus quand même. Ceci énerva l'empereur. Mais dans un bon jour, lui, il renvoya son messager pour lui demander de se déplacer jusqu'à la capitale. Le refus fut net. Refus poli, mais refus net. Ceci énerva un peu plus l'empereur. Mais encore dans un bon jour, il renvoya son messager pour lui demander la raison de son entêtement. La réponse fut l'état de santé du vieillard. Son état nécessitait des soins, mais si l'empereur voulait bien lui excuser son grand âge, il ne voyait aucun inconvénient à aller faire ce que bon lui semblerait. L'empereur se radoucit et renvoyait son messager une dernière fois pour dire qu'il serait en fait très honoré d'avoir un oiseau de sa main. Il poussa même le respect jusqu'à donner un an pour aller chercher cet oiseau. Un an passa et on apprit que l'empereur en personne ferait l'honneur de sa visite. Et on vint de loin pour voir l'empereur. Surtout comme aucune commande n'avait pu ou su être honorée.
L'artiste vivait seul. On ne saurait dire que la femme qui passait une fois par semaine faire le ménage était compagnie. Mais là, on allait enfin savoir à quoi ressemblait le dessin ou le tableau. Surtout que l'empereur viendrait, ça c'est une chose sûre. D'ailleurs, les timbales qui se dirigeaient droit vers la maison du vieil homme l'annonçaient. Il n'y eut pas à entendre longtemps, le vieillard sortit de la maison. Le vieillard sortit de sa maison, cérémonieusement, puis il rentra chez lui et sortit enfin avec tout ce qu'il faut pour dessiner. C'était entre autres choses une feuille de papier, de l'encre, ou plutôt sa pierre à encre, un pinceau, et enfin le seau avec lequel il signait. Il prit tout son temps pour racler son encre et la mouiller. Puis il prit avec son pinceau la totalité de son encre, ce qu'il fait avec cette encre donne l'impression d'un oiseau plus que vivant. Ça devait être un héron. Si c'en était un, si c'en était pas un, c'était une espèce voisine. Il prit son seau et il signa. Et que fit l'empereur pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, son auguste barbier se mit à frémir. À trémuler pour finir par trembler d'indignation. Et puis le dessin fini, il explosa. Ouh, quoi qu'on m'encaisse. J'ai attendu tout ce temps pour ça. Et puis d'abord, à genoux. Il fallut pas moins d'un petit quart d'heure pour qu'enfin il se calme, en apparence. Il prit son sabre et trancha d'un seul coup cette tête qui avait osé défier sa majesté incomparable. C'est qu'un empereur n'est pas n'importe qui. Ce qui défia les lois du ciel, c'est qu'aussitôt la tête tranchée, se fit un envol de milliers d'oiseaux. Des hérons, bien sûr, mais aussi des aigles, des éperviers, des mouettes, des goélands, des alouettes, des rossignols, des grives. Hein, mais je ne peux tous les citer, mais tous venant d'une même pièce. La maison du vieux maître qui s'écroula sous l'envol de tous ses oiseaux. Lorsque l'empereur fit venir à lui le dessin, qu'elle ne fut pas satisfaite. Lorsque l'empereur fit venir à lui le dessin, qu'elle ne fut pas sa stupéfaction, le héron n'y était plus, ce qui était par contre.